RTL, 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern. Et nous avons la chance ce matin d'avoir avec nous Liane Folly. Bonjour. Et ce matin, nous accueillons Isabelle Mergaud. Salut tout le monde. Bah, le plaisir est bien partagé, monsieur Bern. C'est mon GG. GG, que de souvenirs. On a écrit un super film tous les deux, hein. On a co-écrit Les meilleurs espoirs féminins, tu te rappelles? Yvon Rance, coiffeur ringard, mais touchant. On a même lancé la carrière de Bérénice Bejo, qui cartonne aujourd'hui avec un film muet. C'était bien la peine de s'emmerder, tiens. Finalement, c'est toujours le rire qui nous a sauvés des eaux, hein, Boudu? Oh là là là. Oh, tiens, je crois que la Catherine Fraud a deux mots à te dire, justement. Oh, mon Boudu, quelle belle aventure, hein. Alors, avec mes deux Gérard, oh, oui, c'est rare, parce que c'était pas tout repos, hein, monsieur Bern. Il y avait le Depardieu, le Junior, on a bien rigolé, hein. Nous, les acteurs, on est plutôt des enfants gâtés, hein, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de gâtés, j'ai pas encore fait mes courses de Noël. Tu voudrais pas m'aider à remplir mon caddie, Félix? Il y a aussi Fanny Ardant qui désire vous rendre visite. Gérard Jugnot est un garçon sensible, généreux, qui s'avère au fil du temps créatif et très, très attirant. Nous n'avons jamais partagé l'affiche et c'est un immense regret. Alors, c'est mon quart d'heure américain. Pas de problème, je me lance. J'aimerais passer une nuit d'ivresse dans une auberge rouge. Moi, le beauf de bronzé m'excite terriblement. Ah oui, encore des petits câlins, un tandem chic et choc. Je rêve d'être la choriste de cet enfoiré. Qu'il soit mon jouet, quand on sera enfin seul, je lui donnerai les clés du paradis. Je vais mettre le paquet, c'est promis. Salut l'artiste. Et nous avons un message du paradis pour Olivia de la part de la grande Barbara. Une petite cantate pour Olivia, émergée de la Starac, elle me plaît déjà. Mademoiselle Blanc est intacte, elle panique, on ne sait pourquoi. Son voyage, c'est la musique, c'est d'artiste femme chocolat. Je penserai à vous, très cher, ce 1er janvier 2012, l'anniversaire de vos 32 années. Même si la route est longue, Miss Météor brillera pour la jolie dame brune que je suivrai pas à pas. Une petite sonate pour Olivia, une petite cantate, applaudissez-la. Wow, bravo.